Bonjour et bienvenue. Nous sommes au Portugal et ici, en juin, nous fêtons les saints Saint-Pierre, Saint-Jean et bien sûr Saint-Antoine. Je m'appelle Jonas et c'est la Minute JMJ de cette semaine. C'est un mois de festivités, de danses traditionnelles et de décorations de partout dans Lisbonne. La nourriture typique ici à Lisbonne, les sardines grillées. Les JMJ de Lisbonne comptent 13 patrons. Saint-Antoine de Lisbonne, né en 1195, vous le connaissez certainement puisqu'il est mort à Padoue en 1231 et on fête sa fête ici à Lisbonne le 13 juin. Ici, c'est là où il a vécu, c'était sa chambre. Et une église fut construite après, en sa commémoration. Et aussi Saint-Vincent, patron du patriarcat de la ville de Lisbonne. Saint-Bartholomé, des martyrs, frère dominicain des archevêques de Braga. Saint-Jean de Brito, prêtre jésuite né à Lisbonne, dit le portugais Saint-François-Xavier. La bienheureuse Jeanne du Portugal, patronne de la ville du diocèse d'Aveiro, connue sous le nom de princesse Sainte-Jeanne du Portugal. Et le bienheureux Jean Fernandez, novice jésuite de Braga, missionnaire et martyr. Mais il y a aussi Saint-Jean-Paul II, Saint-Jean-Bosco, la bienheureuse Marie-Claire de l'Enfant Jésus, le bienheureux Pierre-Georges Frassati, le bienheureux Marcel Callot, la bienheureuse Chiara Badano et bien sûr le bienheureux Carlo Acutis. Aujourd'hui, nous voulons saluer tous les pèlerins d'Europe. On sait que vous êtes nombreux. N'oubliez pas de nous envoyer vos photos sur l'avancement de vos préparatifs. Aussi, demandons à tous les patrons des JMJ leur intercession. Nous sommes en route et je vous dis à la prochaine.